Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Moi tout se passe bien, tout est génial. Aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo assez tranquille, car on me l'avait demandé il y a un peu de temps que de cela qu'on m'avait demandé de faire cette vidéo, je ne l'ai pas fait. Mais là voilà, je voulais faire cette vidéo tranquille, une vidéo de bonne qualité. C'est une vidéo de dégustation toujours, mais de chocolat. Je vais déguster ce que vous avez vu pour commencer, les petits chocolats que vous avez vu qui sont derrière moi en boîte, etc. Je vais déguster ça un peu tranquillement et puis voilà, je vais vous dire la qualité, qu'est-ce que si c'est bon, etc. Et tout. Mais si j'ai pris ces chocolats, c'est que vraiment il doit être très très bon. Donc, je vais déguster ça tranquillement. Puisque en fait, je devais prendre un autre chocolat, mais en fait, ce qui m'a fait faire aussi cette vidéo, c'est que aussi, j'ai oublié de vous le dire, c'est que franchement, je voulais prendre un autre chocolat et du coup, il y a des gens dans le centre commercial là où je suis allé, se sont battus pour ce chocolat. Du coup, j'ai dû pas le prendre et du coup, j'ai pris d'autres chocolats et je fais une autre vidéo de chocolat, des chocolats que j'ai sélectionnés un peu comme ça parce qu'il y en a tellement de sortes de chocolats. Moi, j'ai sélectionné ceux-là, mais j'aurais pu sélectionner d'autres chocolats. Et comme j'ai jamais fait de vidéo de chocolat, du coup, je me suis dit, quand j'ai vu cette bagarre qui se sont deux femmes qui se sont battues pour un chocolat, je me suis dit, ah ben tiens. Ça, on se bat pour les chocolats et tout, ça m'a tellement marqué que je me suis dit que je vais faire une vidéo de chocolat. C'est en délicat à tous les gens qui se battent pour que ce soit toutes sortes de chocolats ou même qui n'ont pas eu leur chocolat, des gens qui ont acheté le plus beau chocolat, etc. Et c'est bien toujours d'offrir aussi du chocolat. Moi, à une époque, j'ai fait ça, j'ai fait que ça, offrir des chocolats à toute ma famille. Et puis là, bon, cette année, je sais pas, peut-être que je vais faire comme des parfums ou bien des chocolats. Et puis voilà. Bon, alors nous allons commencer la dégustation de chocolat. Et puis c'est parti, hein. Je vais vous montrer, comme vous avez vu dans la photo, les chocolats que je vais manger. Et je vais vous dire mes impressions, si c'est de la bonne qualité ou si c'est la moyenne qualité. C'est parti. Comme vous avez vu, les amis, bon, là, j'étais en train d'ouvrir les paquets. Là, je suis en train d'ouvrir celui-là, le paquet. Alors, on va commencer la dégustation de chocolat de bonne qualité. Je précise bien que c'est de la bonne qualité, ces chocolats. De très bonne qualité, puisque vraiment vous allez voir, je vais vous montrer un à un les petits chocolats. Et puis voilà. Et celui-là, franchement, j'ai bien fait de prendre celui-là parce que franchement, il a l'air pas mal. Hein, regardez bien, c'est ça la marque. Je pense que ces chocolats, vous les trouvez un peu de partout. Je pense qu'à Carrefour, il y en a à Casino. Moi, je l'ai pris à Casino, mais bon, voilà, il doit y en avoir un peu de partout. Et c'est pas mal, franchement, ce chocolat, il a l'air pas mal. Il me reste plus qu'à déguster, puisqu'il faut bien déguster pour être sûr que c'est bon, vous êtes bien d'accord avec moi. Mais là, je vous précise bien que là, c'est pas un concours de genre de je veux manger tous les chocolats et tout, non, non. Ça, je vais pas m'amuser à faire ça tout le temps. Mais c'est vrai que je précise quand même que je suis vraiment tombé dans les pommes, je rigolais pas, j'étais vraiment pas bien. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai mangé des bonbons, quand je les ai mangés, c'est d'un seul coup, et je me suis enchaîné. Et après, bon, ça fait, il y avait l'acide et tout, ça faisait un peu un effet, que, comme si ça piquait, mais c'était pas vraiment du piquement, mais ça faisait un effet et tout, et du coup, ça faisait tellement, ça me brûlait, parce que c'est tête brûlée, des bonbons tête brûlée, comme vous avez vu la dernière vidéo, tellement ça faisait des effets, que j'en avais tellement mangé rapide, que après, je me sentais mal, et je suis vraiment tombé dans les pommes, parce que j'étais vraiment pas bien. Et après, je suis tombé, comme vous avez vu à la fin de la vidéo, je suis vraiment tombé dans les pommes. Mais bon, ça va. Que de peur, que de mal, là, ça va, tout se passe bien, comme vous avez vu, je suis là. Je suis pas mort, évidemment. Je suis là, et puis voilà, je refais une nouvelle vidéo de dégustation de chocolat de bonne qualité. Donc, nous allons déguster ces chocolats de bonne qualité. Mais là, il n'y a pas de concours, je fais pas de concours, je mange juste quelques chocolats que j'aime bien, franchement. Je sais pas si vous connaissez les Ferrero Rocher. Je pense que vous devez connaître ce chocolat-là, Ferrero Rocher, attendez. Que ça puisse sortir bien la qualité, voilà, vous voyez bien la qualité du chocolat. C'est un Ferrero Rocher de bonne qualité, ça c'est sûr. Bon, alors je vais manger ça pour commencer. Il y a ce petit cacahuète. Cette crème, très bon, magnifique. Bien, très bon, franchement, très bon, très 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 bon. Et maintenant, je vais m'en vais. Ce chocolat Mentos. Et que le flou il part là. Puisque sinon, on ne me verra pas. Voilà, vous voyez bien. Bonne qualité. Bonne qualité de chocolat Mentos.
Bah alors, on va le manger. C'est très bon, franchement, le Ferrero Rocher, il est très très bon, c'est la bonne qualité. Il y en a un peu de partout, à Carrefour, vous retrouvez ces chocolats un peu de partout. Moi, c'est pas un placement de produit ou quoi, c'est juste une dégustation, comme tous les autres, et j'aime bien faire des dégustations. Là, j'ai un peu mis la caméra un peu spéciale, mais bon, enfin bref, c'est très bon, hein. C'est hyper blanc un peu sur le côté là, il y a un peu de noir. C'est très très bon. Magnifique. Comme vous avez vu, j'ai un peu de tout là, des papillotes. J'ai mes deux petits Pères Noël que je vais vous montrer tout à l'heure, que j'ai caché derrière mon dos. Très bon. Et il y a même Snickers aussi. Bien ça, il y a un petit Snickers, regardez. Un petit Snickers. Voilà. Magnifique, un petit Sinker de bonne qualité. C'est très bon ces chocolats. Franchement, je vous invite à aller les acheter. C'est très très bon, magnifique. Ah, je suis bien. Non, mais j'aime bien les chocolats. Ça me donne être heureux et bien, de la bonne humeur et tout. C'est bien de manger un chocolat. Sinker de bonne qualité, bien sûr. Ah, c'est très bon, vraiment. Ah, quand je mange du chocolat, je suis le plus heureux, franchement. Mais j'essaie de me calmer. Je mange du chocolat et après j'en mangerai plus jusqu'à demain, voire 2-3 jours et après j'en remange. Je ne les termine pas direct mes chocolats. Surtout que là j'ai beaucoup de chocolat, j'en ai un peu de partout. Et j'ai des cadeaux qui viennent, chocolat et tout. Magnifique. Je tiens aussi à vous préciser que je ferai une vidéo spéciale bientôt. Il va venir une vidéo très 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 spéciale que je vous invite franchement à ne pas rater. Une vidéo spéciale. Je n'ai rien à dire, j'ai juste à vous dire c'est une vidéo spéciale. C'est un événement qui va se passer bientôt, mais pour moi, un événement pour moi. Mais je vous dis pas d'indice, rien du tout. C'est une vidéo qui serait spéciale. C'est tout ce que j'ai à vous dire, spéciale. C'est bon, j'ai rien à vous dire parce que si je vous dis, il y en a, ils vont savoir c'est quoi la vidéo. Bon voilà, c'est un chocolat ça de bonne qualité. Là, j'en suis en chocolat. Bon, j'ai déchiré. Je mange ça comme chocolat en ce moment, regarde. Voilà, je pense que vous voyez bien là. Bonne qualité du chocolat. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un petit chocolat. Hein. Comme tous les autres. Très bon. On a la fin de la dégustation du chocolat parce que je vais pas vous manger tous les chocolats, sinon après la vidéo va durer des heures et des heures. Donc voilà. Un petit papillote de bonne qualité, bien sûr, je précise que c'est toujours la qualité quand je mange. La qualité offensive, bien sûr. Magnifique, je suis content. Comme vous avez vu, je refais ma nouvelle coupe là, parce que on m'avait tellement insulté de ma coupe, on m'avait dit, ah, ça fait ça, ça, parce que moi j'aime bien des fois me couper les cheveux tout seul et tout. C'est pour ça que des fois vous voyez que c'est noir et tout, je coupe, je me démerde comme je veux, comme je peux en fait. Et là, je suis allé chez le coiffeur, je lui ai dit que je faisais mes coupes deux fois tout seul, et puis voilà, il a rigolé, tout ça. Et puis voilà, il m'a refait mon dédrasage tranquille à 9 euros, là, comme on dit. C'est la petite blague, bon, enfin, il m'a pas coûté 9 euros, il m'a coûté quand même 12 euros cette coupe refaite, là. Et puis voilà, ma petite papillote, là, je suis un peu perdu dans le chocolat. Très bon. Et petite cacahuète dedans, cette papillote, hein. Je me régale, franchement. Je voulais savourer un peu les chocolats avec moi parce que je sais qu'en temps de Noël et tout ça, la plupart d'entre vous mangent beaucoup de chocolat ou peut-être moins de chocolat. Il y en a qui sont allergiques au chocolat, il y en a que je connais, ils sont allergiques aux cacahuètes et aux Ferrero Rocher et tout ça. Il y en a qui sont allergiques à plein de trucs que je connais. Il y en a qui sont allergiques même au jus d'orange. Il y en a qui sont allergiques au jus, il y a de l'eau. Il y en a qui sont allergiques à l'eau, ils ne peuvent pas boire de l'eau, je ne sais pas pourquoi. Moi je suis allergique à bah, des choses aussi, mais bon, je ne sais pas, je sais pas, je ne veux pas vous dire pour le moment, mais il y a des choses que je suis allergique. Là, au chocolat, c'est pas un truc que je suis vraiment allergique, franchement j'aime trop l'air du chocolat. Quand je mange le chocolat, je me sens plus bien et tout, je me sens plus... extraordinaire, je me sens, je sais pas. Je me sens le plus génial quand je mange du chocolat, je sais pas. Mais c'est très bon. Je suis bien. Magnifique. Je me régale, franchement.
Il y a aussi ce chocolat que j'aime bien manger en dessert, etc. C'est le Mars. J'aime bien les Mars. Ça, c'est un Mars de bonne qualité, regardez. Un petit Mars tout petit là, magnifique. C'est extraordinaire de manger un Mars comme ça. C'est très très bon. Je vais pas avoir de la maladie du foie ou quoi, mal de foie et tout, mais là c'est la fin de toute façon. Je pense que j'ai atteint mon niveau de chocolat. Bon, il y en a encore un que j'ai peut-être pas mangé. C'est celui-là, regardez. Je vous laisse regarder. Le flou, il veut pas partir. Voilà, il arrive le flou. Voilà. Voilà, celui-là, c'est un petit bonbon, s'il est pas mal. J'aimais tellement, j'ai même des chocolats Maxi, je sais pas quoi là. La qualité du chocolat, la qualité du flou. Ah, je suis bien, franchement, j'aime bien manger du chocolat, c'est extraordinaire le chocolat. Ah, je suis bien. Un Mars de bonne qualité, ça. On voit bien le caramel qui coule et tout, c'est magnifique. Mais c'est petit, mais c'est très bon. Comme je savais pas qu'il y avait du chocolat aussi bon comme ça, qui est autant petit, magnifique. Voilà, je bois un peu de jus d'orange. Hein. Je vous laisse savourer avec moi. On mange ensemble. Autant que mangeur de dégustation. Un chocolat tranquille, un jus. Jus de bonne qualité, bien sûr. Ah, je savoure bien ça tranquille. C'est très bon. Ouais, comme je vous disais tout à l'heure, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Là, je vais déguster tranquillement mes chocolats. C'était une petite dégustation de chocolat tranquille. Comme vous avez vu, j'en ferai peut-être une autre plus tard. Et là, c'était ma première dégustation de chocolat parce que je n'en avais pas fait. Je voulais en faire une petite cool tranquille. Et puis voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez le chocolat. Si vous aimez trop le chocolat ou le jus d'orange, likez la vidéo. Et si vous aimez pas la joie de vivre, ne likez pas la vidéo. Si vous êtes trop nerveux, vous aimez pas profiter de la vie et tout, ben likez pas, c'est ce que vous voulez que je vous dise. Si vous aimez rien dans la vie, si ma chaîne vous aimez pas, vous likez pas, vous passez à autre chose. Donc voilà. Ah, les amis, j'ai oublié de vous dire aussi, il y a mes amis que vous avez vus qui sont là, qui sont présents aussi à la vidéo, puisque ils étaient conscients de. Ils m'ont dit ne nous oublie pas, et j'étais en train de les oublier quand même, les amis de bonne qualité. Comme vous savez bien, on est au mois de Noël, donc il faut respecter certaines choses qu'il faut respecter au mois de Noël. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Enfin, il faut respecter les choses de la tradition Noël. Noël, etc. Bon. Les choses de Noël, on va dire, faut quand même respecter un minimum des choses quand même. Je sais pas pour vous, mais moi en tout cas, moi je respecte depuis tout petit cette chose-là. Bon, alors, ce sont des choses que vous connaissez très bien. Hein. Le Père Noël, qui est bien là, regardez le Père Noël, il faut le respecter. Attendez, je le flou qui veut pas venir dans ce Père Noël. C'est incroyable. Voilà, vous le voyez bien, mon petit Père Noël de bonne qualité. En plus, c'est un Père Noël de Kinder. Un Kinder de bonne qualité. Et la Mère Noël, puisque la Mère Noël tient à vous le dire, qu'elle vous passe le bonjour, la Mère Noël qui est ici présente entre nous. Voilà, puisque tout à l'heure, elle m'a dit, la Mère Noël, si tu ne nous présentes pas ta chaîne, ça n'a pas marché, tu n'auras pas tes 10 likes en 2 jours, etc. Et tout. Donc voilà, regardez la Mère Noël qui est là et qui vous passe le bonjour. Voilà, regardez, attendez, je vous laisse avec la Mère de Noël. La Mère Noël est... Et quand même une Mère Noël de bonne qualité. Je vous rappelle que la Mère Noël a son chapeau parce qu'elle a un peu froid à la tête en ce moment. Elle a un peu froid à la tête et comme elle a un peu froid à la tête, elle a mis son petit bonnet de bonne qualité, bien sûr. Mais par contre, le Père Noël n'a pas mis de petit bonnet. Hein. Il monte sur sa tête, il est toujours joyeux avec le Kinder Piwi, mais ça va, il est bien. Ah, donc les deux sont bien, hein, les deux amis, les deux, la Mère Noël et le Papa Noël. Pour ceux qui attendent leur cadeau, voilà. Ils sont là, ils vous passent le bonjour, hein, ils sont tout contents, voilà, tout se passe bien. Ah. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour finir la vidéo. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, parce qu'il faut aimer liker la vidéo, parce que si vous ne likez pas la vidéo, ça ne va pas le faire. Hein, pour la Mère Noël et pour le Papa Noël, pour avoir votre cadeau. Si vous ne likez pas la vidéo, vous n'aurez pas de cadeau dans votre vie.
Donc si vous likez votre vidéo, enfin je suis un peu excité quand je parle, vous connaissez bien, si vous likez la vidéo, vous allez avoir des cadeaux. Et si vous ne likez pas, je pense que vous n'aurez pas trop de cadeaux et pas trop de bonheur dans votre vie. Donc voilà, bon, vous allez me dire, je raconte un peu de conneries, mais bon, ça arrive. Allez, salut les amis, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut, à plus.